Wunsch, ik ben gouverneur van de Nationale Bank van België. De COVID-19-pandemie heeft gevolgen gehad voor de wereldeconomie. Maar kunnen we aan het einde van 2021 concluderen dat de gevreesde economische crisis voor een groot deel uitbleef? We waren al vrij optimistisch in het begin van 2021, maar wat klopt, is de cijfers zijn uiteindelijk zeer goed geweest. Op het niveau van groei zijn de prestaties uitstekend. Maar ook, en zeker in België, wat de werkstelling betreft, we hebben meer dan 80.000 jobs gecreëerd. En dat is een enorm groot en positieve verrassing. En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat het beleid op fiscaal niveau, ondersteuning van de inkomens van de huishoudens, ook tussenkomst om de ondernemingen te steunen, gecombineerd met een monetair beleid die zeer ondersteunend was. Dit beleid heeft wel zijn rol gespeeld en in feite een instorting van onze economie kunnen vermijden. En wat we gezien hebben is een zeer krachtig heropleving, dus een vrij positief boodschap op dat vlak voor wat onze economie betreft in 2021 en meer algemeen op wereldniveau en Europees niveau. Is het voor u een grote verrassing dat de inflatie zo plots en zo fel toeneemt? De terugkomst van de inflatie is voor een groot deel een verrassing. Wij hebben voor een aantal jaren een vrij laag inflatie gekend, beneden onze doelstelling van 2%. En dit is ook de reden waarom wij een vrij ondersteunend beleid gevoerd hebben. Er waren wel mensen hier en daar die dachten, ja, misschien is de fiscale steun in de VS een beetje te omvangrijk, te groot en zal leiden tot inflatie. En dat is zeker het geval, maar het heeft ook te maken met een verschuiving van de vraag van diensten, omwille van de lockdowns, die soms niet beschikbaar waren, naar goederen. En dat heeft inderdaad geleid tot een heropstart van de inflatie. Voor een deel inderdaad, omdat de aanbodzijde niet kon volgen. En we hebben hier en daar in de wereldketting, waardeketting, bottlenecks zien komen en ook op niveau van de energieprijzen een duidelijke stijging van de prijzen. En dat is de minder positieve nieuws van dit jaar. In de zomer 2021 werd de nieuwe monetaire beleidsstrategie van de Europese Centrale Bank goedgekeurd. Zien we al een eerste impact hiervan? Onze nieuwe strategische aanpak was meestal in feite een bevestiging van wat we al deden. Dus een symmetrische doelstelling rond 2%. Met het idee, als de economie het niet goed doet, als de inflatie vrij laag is, moeten wij krachtig tussenkomen met verschillende instrumenten, soms nieuwe instrumenten, quantitative easing, lage rente, negatieve rentebeleid. Nu zijn wij geconfronteerd met een stijging van de inflatie, die voor een deel een verrassing is. En de vraag die zich stelt is, oké, moeten wij nu beginnen met een soort van uitgang van zo'n zeer accommoderend beleid? Ik denk dat we dat voorzichtig moeten doen, zeer gradueel, omdat we hebben voor een aantal jaren een vrij laag inflatie gekend, tegelijkertijd. We zitten nu op een niveau van inflatie van 5%, 7% in België, 5% op Europees niveau. Het heeft meestal te maken met de verhoging van de energieprijzen. En in dat verband zou ik niet zeggen dat de inflatie is nu aan het stijgen omwille van onze monetair beleid. Nee, het heeft vooral te maken met de energieprijzen die we niet onder controle hebben. Tegelijkertijd, wat we zien in de VS en beginnen te zien in Europa, is dat, alhoewel de oorsprong van de inflatie komt van de energiesector, dat er nu een verspreiding is van de prijsstijgingen in andere sectoren. En dan moeten wij beginnen oppassen dat onder controle blijft. Daarom dat ik zou pleiten voor een zeer gradueel uitgang van zo'n zeer accommoderend beleid. Om naar misschien een monetair beleid die nog soepel blijft, maar misschien niet extreem accommoderend of ondersteunend zoals vandaag. Zal de inflatie maar tijdelijk zijn en blijft een laag rentebeleid nodig? Het al dan niet tijdelijke aspect van de inflatie, of die relatief snel zal beginnen dalen of niet, blijft een vraag. We debatteren dat in de VS, in Europa.
Ik denk nu dat we tot de vaststelling moeten komen dat het langer duurt dan voorzien. Maar blijft het geval dat het meestal te maken heeft, en zeker in Europa, met energieprijzen. Dat wij hopen en misschien ook verwachten dat de energieprijzen op een zeker moment zullen beginnen dalen. En ik blijf van mening, en we blijven van mening, dat de inflatie, tenzij dat er echt op geopolitieke niveau grote spanningen zullen zijn, dat wij gaan naar een minder hoog inflatie, dat wij niet zo ver zijn van de piek van inflatie. Maar dan is de vraag, waar zal de inflatie landen? Boven 2%, beneden 2%? Ik zou zeggen, vanaf het moment dat het land dicht bij onze doelstelling van 2% is dat van niet zo groot belang, ja, of het 1,8 is of 2,2. En nog eens, ik denk op een periode van 3-4 jaar zullen wij gemiddelde rond de 2% of zelfs boven de 2% ons bevinden. Dat wij stilletjes aan van een zeer accommoderend beleid moeten gaan naar een beleid die minder accommoderend zal zijn. En misschien op een zeker moment niet meer accommoderend, maar dat zal afhankelijk zijn van wat de cijfers ons vertellen over de toekomstige inflatie. Au terme de cette année 2021, peut-on considérer que l'économie belge s'est redressée? Est-ce que votre bilan de l'année écoulée est plutôt positif? On était déjà assez optimiste au début de l'année. On pensait que la reprise allait être relativement vigoureuse. Et la conclusion, c'est que ça a dépassé nos attentes. Donc on a une très très belle reprise au niveau international, mais aussi au niveau belge, tant en matière de PIB qu'en matière d'emploi. On a créé 80 000 emplois en Belgique, ce qui est un niveau de progression très très positif. On se retrouve à un niveau d'emploi qui est supérieur à celui qu'on avait avant la crise. Et ça, je crois que c'est le reflet du fait que c'est une crise qui a été quand même très largement bien gérée au niveau économique, avec une série de mesures qui ont été prises au niveau budgétaire, mais aussi au niveau de la politique monétaire, qui ont été très complémentaires pour s'assurer en fait qu'on évite un effondrement de nos économies. Et c'est grâce à ce soutien qu'effectivement on a pu éviter que nos économies ne souffrent trop en fait de cette crise Covid, avec maintenant une reprise en 2021 qui dépasse même nos attentes. Donc oui, globalement, une année qui s'est passée même mieux qu'on l'anticipait. Dans son rapport annuel, la Banque nationale de Belgique indique que la crise du Covid a été bien gérée, mais que les problèmes structurels d'avant la crise, tels que la dette publique élevée, le problème du marché du travail et du taux d'emploi, le manque d'investissement dans les infrastructures, etc., sont loin d'être résolus. Est-ce que cela devrait être la priorité du gouvernement dans les années à venir ? Donc, je pense qu'il y a deux aspects à la réponse à cette question. Il y a un aspect qu'on appelle conjoncturel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit gérer la macroéconomie. C'est vrai qu'on a beaucoup soutenu nos économies pendant la crise, au niveau budgétaire et fiscal. Maintenant, si l'économie va mieux, progressivement, on va devoir normaliser et retirer ces mesures de soutien, simplement parce qu'on ne peut pas se les permettre dans la durée. On avait un déficit public très élevé et on doit aller vers quelque chose qui est plus tenable à terme. Donc on doit reconstruire en fait des réserves pour pouvoir faire face au prochain choc. Ça, c'est un élément. L'autre que vous avez cité dans la question, c'est qu'évidemment, les défis structurels de moyen long terme de l'économie belge, mais ils n'ont pas disparu comme par miracle pendant la crise. Donc c'est notre taux d'emploi qui reste moins élevé qu'ailleurs et qu'on devrait pouvoir augmenter idéalement vers 80%. C'est l'enjeu du climat, c'est l'enjeu de l'innovation, c'est l'enjeu des finances publiques. Et là, c'est toute une série de mesures à prendre. On sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours facile politiquement de le faire, qu'il faut essayer de mettre en œuvre dans les années qui viennent. Et pourquoi le faire? Mais pour avoir une économie qui est plus résiliente, qui peut plus facilement faire face aux chocs et qui est plus inclusive aussi, puisqu'on a aujourd'hui toute une série de personnes, par exemple, qui sont exclues du marché du travail ou qui ne sont pas présentes sur le marché du travail. Et on voit que dans d'autres pays, qu'il y a moyen de faire mieux. Et donc ça, c'est effectivement un message qu'on rappelle parfois depuis de nombreuses années. Et ça ne veut pas dire que rien n'est fait en la matière, mais il reste des choses à faire. L'inflation s'est envolée partout dans le monde en 2021. Mais quel a été l'impact de cette augmentation à l'échelle de notre pays? Alors l'impact, on commence à le voir. Il faut savoir qu'en fonction des agents économiques, des entreprises ou des particuliers, leur contrat arrive à échéance à des moments différents. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne va rien voir pendant encore 6 mois et d'autres gens qui viennent avoir une forte augmentation de leur facture. Donc, ça, il faut prendre en compte. Mais si on regarde l'économie dans son ensemble, la hausse des prix de l'énergie, et plus particulièrement du gaz naturel et de l'électricité,
C'est significatif. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un petit choc, ou même un choc énergétique, qui est loin d'être marginal. Ça aura un impact sur notre situation au niveau macroéconomique. Alors, en Belgique en particulier, ça aura un impact sur l'indexation des salaires. Donc, à la fois, on peut dire de ce fait-là, on est mieux protégé, les consommateurs sont mieux protégés, même s'il y a un petit décalage dans le temps, quand il y a une hausse des prix de l'énergie, il y a une compensation pour les allocations sociales et les salaires, qui intervient avec un peu de retard, mais qui permet quand même de combler le différentiel en général, alors peut-être pas parfaitement pour tout le monde, mais mieux que dans d'autres pays. Mais évidemment, ça veut dire que la charge se répercute sur les entreprises, parce que le fait qu'on achète notre énergie plus cher, ça c'est une réalité, et quelqu'un doit payer. La charge va se répercuter sur les entreprises, ça veut dire que pendant 1 ou 2 ans en tout cas, on va de nouveau avoir des discussions sur la compétitivité de l'industrie en Belgique. Si la hausse des prix de l'énergie est temporaire et que les salaires augmentent dans les pays voisins, même moins rapidement qu'en Belgique, c'est pas trop grave. Si nos salaires augmentent beaucoup plus vite que dans les pays voisins et que les prix de l'énergie restent élevés, on va avoir un problème structurel de compétitivité. Donc ça, c'est quand même une des grosses incertitudes dans les mois qui viennent. Quel sera le prochain défi à relever pour le secteur financier ? Mais donc pour le secteur financier, premier constat, c'est qu'il était à l'origine de la crise en 2008. Ça avait été assez houleux. On avait été en Belgique une des premières économies touchées en la matière. Pendant cette crise-ci, le secteur financier, il a plutôt été fait partie de la solution. Alors c'était les moratoires qui ont été consentis par les banques aux entreprises et aux particuliers. C'est aussi les garanties, puisque l'État est intervenu un petit peu en soutien des banques pour s'assurer qu'elles pouvaient continuer à prêter aux entreprises. Donc premier constat, le secteur financier dans son ensemble a plutôt joué son rôle pendant la crise. Alors dans l'avenir, il y a une série de défis qui préexistaient déjà avant la crise Covid. Tout ce qui est lié au risque cyber, on le voit d'ailleurs dès qu'il y a des tensions un peu géopolitiques, donc ça reste récurrent. Les banques doivent investir beaucoup dans la sécurité de leur infrastructure informatique. Au-delà de ça, on voit qu'il y a de plus en plus de pression en matière de blanchiment pour que les banques aident effectivement à empêcher le blanchiment d'argent, donc ça met pas mal de pression sur les banques. Et plus généralement, il y a toute la modernisation du secteur financier qui est liée à cette économie de plus en plus digitale, de plus en plus parfois virtuelle, le fait qu'on va de plus en plus télétravailler, les banques vont devoir s'adapter, les compagnies d'assurance aussi, on sait qu'on a de moins en moins d'agences bancaires en briques, où on va vraiment voir. Donc le secteur financier est un secteur qui depuis un certain nombre d'années doit se réinventer par rapport à cette réalité, peut-être pas plus rapidement que d'autres, mais parmi ceux qui ont dû le faire, et cette pression reste présente. Donc c'est un peu cette combinaison, mais avec quand même pas mal d'aspects qui sont liés à la digitalisation et au risque dit cyber, de cybersécurité qui sont associés. Quelles sont les perspectives concernant les finances publiques ? Donc en ce qui concerne les finances publiques, et c'est un discours que je tiens assez souvent, on a dû intervenir massivement pendant la crise pour éviter effectivement de trop gros dégâts, et ça a bien fonctionné, il fallait le faire. Mais la prescription que généralement les économistes font, c'est de dire voilà, on intervient en période de crise pour soutenir l'économie. Quand l'économie va mieux, il faut reconstruire des réserves pour s'assurer qu'on puisse affronter la prochaine crise dans de bonnes conditions. On a aujourd'hui un déficit qui en sortie de crise, va converger vers 4%. C'est un niveau qui est trop élevé, qui fait que la dette continuerait à augmenter. Mais surtout que si on avait un nouveau choc, on ne pourrait pas l'absorber dans de bonnes conditions, parce qu'on aurait déjà pratiquement plus de marge de manœuvre. Donc je crois que c'est très important, dans les années qui viennent, il faut le faire graduellement, de revenir à un niveau de déficit qui nous permet d'absorber le prochain choc. Alors on ne sait pas quand il va venir, mais il viendra un jour. On ne sait pas s'il sera de grande ampleur ou d'ampleur moindre. Mais on sera plus à l'aise si on l'aborde avec un déficit qui est plus bas. Donc je crois que l'objectif intermédiaire, c'est le plus vite possible revenir vers 3% pour stabiliser la dette, et puis passer en dessous de 3% de déficit pour aller vers 2% et puis peut-être 1%, de manière à s'assurer que la prochaine fois on est confronté à une crise, on peut continuer à mener les politiques qu'on a menées pour faire face à cette crise-ci, c'est-à-dire soutenir l'économie. Donc c'est ça le message qui est finalement une prescription assez classique. Quand les choses vont pas bien, l'État doit venir en support. Quand l'économie va mieux, mais il faut reconstituer des réserves pour l'avenir. Wie zijn zet om de klimaattransitie aan te pakken?
overheid of private sector? Of moet de oplossing van beide komen? Maar ik zou zeggen, meestal moet de overheid een duidelijk signaal geven, als ik spreek van een signaal, is in feite maatregelen nemen om naar onze doelstelling te gaan. Als economist vind ik dat een prijs voor CO2 van groot belang is. En dat moet een signaal geven dat naar de toekomst toe de mensen, de ondernemingen, maar ook huishoudens, moeten kijken en mikken op investeringen die steeds meer klimaatneutraal zijn. Maar op het einde van de rit, nadat de overheid zo'n signaal gegeven heeft, kan ook regelgeving zijn, zal iedereen een inspanning moeten doen om naar klimaatneutraliteit, een CO2-neutrale economie te gaan. Ik blijf van mening dat de autoriteit een belangrijke rol heeft in dat verband, het belangrijkste rol. En zonder een duidelijk kader, dat het heel moeilijk zal zijn om de rol van iedereen in zo'n verhaal te coördineren om op een redelijke manier naar onze klimaatdoelstelling te gaan. En zonder te veel volatiliteit op de markten, op de energieprijzen bijvoorbeeld. En wij zien nu, en vandaag heeft dat weinig te maken met klimaat, dat als de energieprijzen beginnen te stijgen, fors te stijgen, dat het wordt dan moeilijk. En we moeten dat zoveel mogelijk vermijden. Zorgt een koolstofprijs niet voor een herhaling van de hoge energieprijzen zoals in 2021? Maar in feite, wat we gezien hebben eind 2021, een kleine energieshock met een stijging van de elektriciteit en gasprijzen op een niveau die a priori hoger is dan de energieprijzen die wij kunnen voorspellen of voorzien tegen 2050. Dus de prijzen zullen naar omhoog moeten gaan, omdat op het eind van de rit zullen wij geen aardgas meer kunnen gebruiken of met een CO2 capture, en dus een manier om de CO2 onder controle te krijgen. Olie zullen wij niet meer kunnen gebruiken, dus impliciet zal de prijs wel naar omhoog moeten gaan, omdat wij zo'n energiebronnen niet meer zullen kunnen gebruiken. Nu, wat van belang is, is dat de transitie op een zeer voorspelbaar manier plaatsvindt, zonder te grote shocken volatiliteit in de prijzen. En in dat verband, wat we gezien hebben op het eind van 2021, is toch een vrij omvangrijk, op een zeer korte termijn, stijging van de energieprijzen. Dat hoeft niet, dus er is duidelijk een manier, misschien ideaal, om naar de energietransitie te gaan met een stijging van de prijs die plaatsvindt geleidelijk aan, zonder een te grote shock en die de opportuniteit aan de mensen geeft om zich aan te passen. Maar zonder zo'n signaal vrees ik inderdaad dat de richting niet duidelijk is en dat we dan geconfronteerd zijn opnieuw met bottlenecks op niveau van energieprijzen, maar op niveau van beschikbaarheid van de batterij enzovoort. En dat het dan moeilijker wordt dan een transitie op basis inderdaad van een duidelijk prijssignaal, zodat de mensen die moeten investeren in een nieuw gebouw, in nieuwe productiecapaciteit, weten waar wij naartoe gaan en duidelijk weten wat de beste investeringen zijn die in feite zoveel mogelijk rendabel zijn op basis van inderdaad een prijs van CO2 die hoger zal worden dan vandaag. Die is in feite al enorm veel gestegen. Hè. Dus de CO2-prijs in Europa lag op 20 euro per ton. Nu vandaag is het bijna 100 euro per ton. Dus we gaan inderdaad in de richting van een hogere prijs voor CO2, omdat wij zo'n energiebronnen niet meer zullen kunnen gebruiken. Daar gaat het over.